situation est tout pourrie comme ça. Ah bah voilà, d'accord, ok. Je comprends mieux. Ensuite,
parce que il y avait vraiment beaucoup beaucoup de commentaires. Voilà, c'est une remarque très peu pertinente mais assez rigolote quand même. Ensuite, de la part de Dorina Cardia, nous avons le fameux Témoche, sans espace entre le T et le moche. J'ai eu le droit à tu as le front de Gollum. Alors bon, je veux bien avouer que bon, je suis peut-être pas tout le temps au top physiquement, même temps, voilà. Mais de là me comparer avec Gollum, oui, on m'a dit aussi que j'avais le nez de Voldemort. Voilà, mais c'était un raid. Alors le classique, arrête de faire des bruits. Ça, je retrouve souvent ça sous mes vidéos, genre arrête de faire des bruits, c'est chiant. Je pense que même si tu tombes sur cette vidéo par hasard, je pense que désormais tout le monde connaît le mot ASMR. Je pense plus sincèrement que les gens qui posent cette question, ils le font exprès pour faire chier, c'est pas possible. Ensuite, de la part de Nico, nous avons le commentaire. La vérité, je me retiens de. La vérité, je me retiens de te kidnapper. J'aimerais mieux pas. Après, voilà, je sais que visuellement, je ressemble à une gamine. Donc, ça peut susciter certaines choses étranges chez certains. Sur ma vidéo roleplay massage, il y a eu plusieurs fois où j'ai dit ensuite je vais te masser et je vais dire la partie du corps. Il y a quelqu'un qui a dit ensuite je vais te masser les avec plein de petits points. Donc déjà c'est un peu chelou. Et il y a quelqu'un qui a répondu en dessous miam miam, c'est vrai qu'elle est pas mal en plus. Ensuite, alors ça c'est ni méchant, ni bizarre ou quoi que ce soit, mais j'avais envie de le relever. C'est super, mais j'ai l'impression que t'as 30 ans. Et j'aimerais comprendre ça, parce qu'on est d'accord que visuellement, je fais 15 ans à peu près, hein, pas plus quand même. Et je ne comprends pas pourquoi il y en a qui arrivent à me donner un âge au-dessus comme ça. Je comprends pas du tout. Et j'aimerais connaître. Parce que vraiment je comprends pas. Alors ensuite nous avons de Johan Lioti qui a, je précise, comme photo de profil Jeff Tuche, qui nous dit nickel ma chicorée, mes cheveux sentent plus la frite, parce que c'était un roleplay soin du cuir chevelu. Si t'as le temps j'emmène faire un tour en Nevada, à plus dans le bus Jeff Tuche avec un T comme Tella. J'ai énormément rigolé quand même quand j'ai vu ce commentaire, mais j'avoue que c'est un peu étrange de mettre ça. Ensuite, sur un let's play de Fantasy Life, quelqu'un qui dit « Et je suis Dieu, si tu veux, on peut jouer. » C'est vrai que tout le monde doit fantasmer sur le fait de jouer avec Dieu, mais je doute du fait qu'il puisse commenter mes vidéos ASMR. Ensuite, alors c'est un commentaire en anglais, mais quelqu'un qui dit « Je pourrais donner mon bras, un bras et une jambe. » Je comprends pas trop non plus. C'est ce genre de commentaire un peu genre incompréhensible. Alors là, on arrive sur probablement le pire commentaire que j'ai eu sur l'histoire de toute ma chaîne, de la part de Tony 912, qui me dit « Salut. »
qui sait si tu as le cancer du pied ou pas, car je constate que beaucoup de symptômes sont présents chez toi. Le pire quand même dans ce commentaire, c'est je te tartine. C'est trop chelou. Alors le même mec qui me dit sous une autre vidéo, Relunaire, tu veux toujours pas pour tes pieds. J'ai l'impression que ça s'aggrave pour toi de jour en jour. J'ai besoin d'analyser ça. Alors je peux comprendre les fantasmes chelous, mais ça me fait étrange de susciter ça. Ah oui, alors, souvent, sous les vidéos ASMR, on a le droit au fameux pourquoi tu chuchotes? Et sur une demi-vidéo en soft spoken, j'ai eu le droit à pourquoi tu chuchotes pas? Voilà, j'ai envie de me dire que les gens sont jamais contents. Et d'ailleurs, quand je fais des vidéos en soft spoken, on me dit souvent mais c'est pas de l'ASMR et tout. Alors que en fait, ben, l'ASMR, c'est pas genre chuchoter, faire du tapping, c'est pas ça, genre. J'avais mis mon téléphone dans l'autre sens. Du coup, l'objectif était là et c'était de la merde. On aurait dit un ASMR. J'ai pas. Attendez. Il y a un problème, j'ai pas retrouvé un des commentaires les plus bizarres que j'ai eu. Peut-être qu'il a été effacé. Mais je vous raconterai. Je vais vous raconter maintenant. En gros, bon, c'est dommage qu'il y ait pas. Que je puisse pas vous dire précisément ce que c'était. Mais en gros, sous ma vidéo. Étoiles, mais non trop fantastiques. Je me retire.
adieu, au revoir. J'ai rien compris. Je sais pas si vous vous avez compris. Puis je dis j'ai absolument rien compris. Et la personne m'a dit sorry, I'm from Québec. Alors s'il y a des Québécois ici, je pense que même vous, vous avez dû rien comprendre. Mais ah oui, alors là je vais pas vous dire le nom de la personne, mais il a été très 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 glauque. C'est-à-dire que cette personne j'aimerais bien et ça me gênerait pas de te faire des bisous à cet âge. Et j'ai dit, je lui ai demandé quel âge il a et tout. Il a dit qu'il avait 37 ans. Et moi j'ai fait t'inquiète, ma grande sœur a 36 et je sais pas s'il a compris un truc du style comme quoi j'étais open. Et il me fait t'as Insta avec un smiley qui rougit. Et moi j'ai dit non. Ensuite, sous ma vidéo, Roleplay, bienvenue en enfer, Bill 728 a dit les classes de Francis, finalement, aidez-moi. Encore un truc que je ne comprends pas sous mes vidéos. Quelqu'un qui a dit oh putain, trop bonne. C'est quoi la marque de ton étagère? Elle est trop bonne. C'est un peu étrange, mais j'avoue, c'est un peu rigolo. Cette vidéo qui a été une vidéo un peu blabla aussi.
seule vidéo, notamment sur mon nouveau jeu qui est Harvest Moon. Donc c'est pas, le nom n'est pas Harvest Moon car il y a eu des problèmes de licence, mais du coup c'est Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Soirée.